Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 6h, on s'est levé à 6h là, on s'est couché à 23h30, ça, franchement, on était chez Tanti. 23h30, on était couché au lit. Là, je vais pas emmener les enfants parce que je veux pas être près d'eux, je reste un peu loin d'eux parce que là, ça y est, j'ai toussé toute la nuit. J'ai le nez qui coule, j'ai toussé toute la nuit, c'est de pire en pire en fait, donc là, j'ai appelé le docteur et j'ai demandé si je pouvais venir aujourd'hui, puisque ben, je me sens pas de mieux en mieux. Je me suis dit, allez, c'est un virus, c'est le rhume. Mais en fait, le rhume, il part pas. Maintenant. Pardon, désolé. Maintenant, je touche même pas mis à mettre ma bouche. Je suis épuisée, je toussais toute la nuit. Voilà, donc, c'est pas grave. Mais il faut que j'aille chez le docteur, là. C'est bon, ça me gonfle. Ça va plus de mieux en mieux, ça va de pire en pire. De pire en pire. Allez, je vais même pas au yoga du coup, parce qu'évidemment, si je suis dans une salle comme ça, toutes les 2 secondes, je tousse, je vais déranger le cours. Donc, je vais pas au yoga. Et voilà, je reste à la maison et j'attends que le docteur me réponde sur si je peux venir ce matin. En urgence. Enfin, en urgence. J'ai le tournage avec les ITV cet après-midi, quoi. Donc, ça m'embête d'être dans cet état, quoi. Alors, je suis sous perf du coup. Hop, on m'a mis. Des vitamines, vitamine C, du fer, tout pour me rebooster un peu mon système immunitaire, ça me fait du bien. Voilà, j'avais besoin de venir parce que franchement, je me suis dit, allez, ça va aller. Je me suis allée pendant une semaine toute seule, mais non, ça n'a pas marché. À un moment donné, ben, je vais voir. Voilà, petite perf. Bon, on est en plein ITV, envers du décor. Hein, Mylon est à côté, hein, Mylon qui lâche pas papa et maman. Hein. Donc, il dessine. Changé, Mylon est devenu un artiste. Non, mais regardez tous les dessins qu'il a. Ah ouais, Non, mais c'est il a trop. une pile de dessins en quelques jours. T'adores ça, hein? T'es un artiste, mon fils. Je viens de recevoir un colis, ce genre de colis qu'on adore, qu'on valide. Ah ouais. On parlait de ce Pokémon, non, mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ben, je sais pas, il est drôle ton coq, il a une drôle de tête, non? Il est pas rigolo? Il a 3 petites plumes sur la tête. Ouais, maintenant que tu dis. C'est quoi ça? Maintenant que tu le Ils dis, sont tapés un délire. Galifeu, ouais, je pense qu'ils Ils sont sont un peu tapés. Galifeu en plus? Galifeu. En feu. En feu. Je viens de tourner mes petits bâtons en rotin tous les jours, je le fais pour que ça embaume la salle de bain. C'est les petits bâtons comme ça. Donc là, j'ai pris le diffuseur musc blanc, c'est un de mes préférés. Franchement, c'est ma nouvelle odeur fétiche. On a la bougie et le parfum d'intérieur musc blanc qui rentre dans mon tympan avec Fresh Home. Et bien sûr, en bas, toujours ma petite bougie de Noël. Je l'adore, je l'aime, elle est incroyable. Elle sent le pain d'épices. J'aime tellement cette période de l'année. La bougie embaume toute ma cuisine. Pourtant, ma cuisine est très grande. On a couleur rouge et couleur verte. On a 2 couleurs, mais même odeur. Une bougie à base de cire de coco, de soja et de beurre de mangue. C'est une bougie 100% naturelle, vegan. Bon, il est 20h29. On va se mettre. Je me suis mis dans le lit. Là, ça fait 5 minutes, je suis en mode un peu allongé et je retousse. Ma foi, ça allait mieux cet après-midi. Je crois que. Mais en plus, je tousse de genre sec là. Oh, ça me scratchy quoi, ça me gratte. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que j'ai passé une meilleure nuit que hier. En tout cas, on a passé une bonne journée. C'était chouette. Oh. Et là, on va se mettre un peu Outer Banks et on va faire dodo, hein. Petite vie de routine. Hein. Là, j'ai vraiment besoin d'aller partir en amoureux quelque part et qu'on se retrouve un peu en amoureux aussi. J'avoue que, alors, je me plains pas et j'ai beaucoup de chance, je le sais, de pouvoir voyager comme ça, etc. Parce qu'il y a des couples qui ne peuvent pas et tout, donc je suis très reconnaissante d'avoir cette chance-là. Mais là, c'est vrai que depuis cet été, on n'est pas parti en vacances en amoureux. On n'a pas fait grand-chose en amoureux. On sort beaucoup moins qu'avant. Avant, vous vous souvenez, on allait tous les soirs, on mangeait tout le temps dehors, matin, midi, soir. Là, on s'est vachement calmé et du coup, on a vachement de moins de temps en amoureux. Et franchement, là, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Ça, alors, tout va bien, je vous vois déjà. Oh mon Dieu, ça va pas avec tu... Non, ça va. C'est juste qu'on a besoin aussi de se retrouver parce que là, ben, voilà, on a une petite routine comme tous les gens, comme tout le monde, bien sûr. Mais avec Thibaut, on aime beaucoup passer du moment aussi à deux et on n'a pas beaucoup fait là ces derniers temps.
On a du monde à la maison, des amis, où on sort, on fait des jeux de société, on est avec des copains. De temps en temps, on va au resto tout seul, mais voilà. Des fois, on va au resto vite à l'arrache. Genre, on arrive à 21h, on veut rentrer vite pour 22h, donc on mange en 2 secondes, comme si on mangeait dans notre cuisine, en fait. C'est pas prendre le temps pour être tous les deux et pour kiffer. Donc j'ai vraiment hâte de tout ça, de passer un moment à deux. Je sais pas où c'est qu'on va voyager prochainement. J'arrive même pas à me projeter sur les voyages. D'habitude, vous savez, je book genre 6 mois avant, j'ai tous les voyages de bookés et tout. Là, je suis à la ramasse complète. J'arrive pas. J'ai pas trop de motivation pour rien. Et du coup, vous le voyez dans mes stories, elles sont KO. Et c'est vrai que j'arrive même pas, même des vacances, des semaines vacances, j'arrive pas à motiver à le faire. Je suis démotivée, c'est. Bon, c'est rien, hein, mais c'est chiant comme sensation. C'est pas cool. Mais je suis humaine, je suis comme tout le monde, et voilà. Mais j'ai hâte qu'on se fasse des petites vacances en amoureux, genre que nous, qu'on se retrouve et qu'on kiffe, et que pas en face de la randonnée. Qu'on aille voir, je sais pas, des cascades, qu'on marche dans des sentiers et tout. Ouais, que j'adore. En aventure, quoi. Trop être en aventure. Voilà, c'était la petite parenthèse du soir. Je vous rassure, tout va bien, parce que tout le monde me dit, ouais, on voit plus trop Thibaut. Mais en fait, vous me voyez plus trop moi non plus. C'est pas comme si on voyait plus trop Thibaut et qu'on me voyait à fond. Je snap quasiment plus trop, donc. Je vous ai dit que des fois, il y a des passages in, des fois un peu moins. C'est comme ça. Allez. En tout cas, j'ai un bon grain de pollen. J'étais en train de regarder. Là, je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai une. Comme une cicatrice. Mais je me rappelle pas avoir eu un gros bouton ici. Mais ça me fait. Comme là. Celui-là, oui. On s'en rappelle. Hein. Ce bouton ici. Mais celui-ci, je me rappelle pas. Je réfléchis. Je me dis, attends, quand est-ce que j'avais un bouton qui me charcutait? Je sais que c'est moi qui me fais des marques. Hein. Je me charcute. Mais là, ça me dit rien. En tout cas, ma peau, elle est hyper. Le teint, il est quand même hyper net et glowy, quand même. Je suis trop contente. Même ma bouche. Regardez. Pas une gerçure. En plus, j'avais moins 40%, plus un cadeau. C'est exceptionnel. Profitez. Et n'oubliez pas que si vous êtes une dealer addict, c'est pas grave, car ce sont de super produits qui sont fabriqués en France, un laboratoire français. Et c'est pas tout. On a même. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est quoi ça? Eh bien, en fait, c'est des gens. On a envoyé les produits, mais sans packaging, à l'aveugle, que le produit. Et ça a été testé par un panel de gens, par plein de gens. Et en fait, on a eu la note excellente par tous ces gens qui ne connaissaient ni la marque, ni nous, ni rien. Et voilà, donc le résultat, il est là. Excellent, on est trop contents. Bref, en tout cas, c'est une très belle idée cadeau de Noël. Comme vous pouvez voir, il y a des brumes, il y a pour la bouche. Là, j'ai fait le gommage et le baume à lèvres. Ça fait un teint hyper glowy. La dernière fois, j'ai mis les patchs pour les yeux. Les patchs pour les yeux, genre ça, patch fabriqué en France, tout est fabriqué en France. Quand vous mettez sur vos yeux, de suite, c'est repulpé. Si vous avez une soirée un peu la veille et que vous devez aller travailler, c'est le top. Ou tout simplement, je sais pas, un mariage, un anniversaire, un shooting photo. Les patchs, il faut toujours les avoir dans le placard. Bref, en tout cas, profitez. Et cette nouvelle brume aussi qu'on a sortie il y a pas longtemps. Regardez-moi comme elle est belle, Savage. Elle est fruitée, florale, elle sent. Pépite. Les brumes, c'est les brumes quoi. Les brumes, on adore ça. Profitez, mon code promo c'est JAS40. Vous avez moins 40%. En plus de ça, vous avez un petit cadeau.